Good morning YouTube, j'en profite que je suis à la famille pour vous présenter un monstre. Un monstre vraiment dans sa catégorie en batterie pour une installation solaire. Vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Il s'agit d'une batterie. On va la déballer, c'est parti. Alors c'était juste improbable de recevoir ça en point relais, donc il fallait vraiment une adresse. Je voudrais juste commencer par présenter les connectiques qui sont dignes de Retour vers le futur, tu vois. C'est du Doc Brown, c'est juste impressionnant. Que j'actionne, j'appuie sur le bouton power, le bouton s'allume, l'écran également, on va regarder ça plus précisément. Mes chers amis, regardez les pôles, regardez un petit peu l'épaisseur de ce matériel. J'ai jamais vu une box aussi solide, hein. C'est vraiment du métal hyper solide. Regardez un petit peu les poignées de transport. Regarde ça, c'est une hallucination. On se croirait dans le matériel sono, tu sais, pour scène, pour transporter les instruments de musique. Et ben regarde-moi un petit peu ça, comme c'est hyper hyper costaud. Cette batterie est une merveille de 48 volts pour 100 ampères et d'une capacité de 5,12 kW. 100 ampères en 48 volts, ça représente beaucoup plus qu'une 100 ampères en 12 volts. On va regarder un petit peu ce qui est écrit sur l'écran. Donc le BMS, la circuiterie interne, la carte qui va protéger tout ce qui est décharge, recharge excessive, le contrôle vraiment de la batterie en totalité pour l'amener à son mieux. Également tout ce qui est température, parce que vous avez une sonde de température à l'intérieur qui va gérer la protection de cette même batterie via effectivement son BMS. Alors, on va regarder un petit peu là, donc on appuie un petit coup, press menu key. Analogue, BMS, statut, donc là, tout ce qui est paramètres, en fait, et le système. Voilà. Et puis ici, on va avoir la tension en volts. Donc, on est à 52,79 volts. Et puis, on a une indication ici, avec des témoins lumineux. Et puis, un petit clignotant qui indique qu'on est en run, que ça fonctionne. C'est une merveille, cette Orient Power, vraiment. C'est le matériel le plus solide que j'ai reçu aujourd'hui, je trouve. Vraiment, il n'y a rien de plus balèze. Si on regarde encore une fois la bête, c'est juste une hallucination. Regarde-moi ça un petit peu, le matos, la solidité de cette batterie 48 volts. Franchement, j'ai rarement vu un truc pareil. Les dimensions de notre bête vont être véritablement de 58 de long, 58 cm, donc pratiquement 60 cm de long. On va avoir après 42 dans la largeur, 42 cm. Et puis on va avoir aussi 203 mm, ça va être la hauteur, donc 20 cm à peu près dans sa hauteur. Voilà, on a vraiment un monstre pour faire une installation solaire hyper compétente, on va en parler. Orient Power propose une garantie de 10 ans. On a ici une batterie qui peut être déchargée à 100%, hein, on recommande 50% de sa puissance, mais vous pouvez aller jusqu'à 100, il n'y a pas de problème, c'est une possibilité. Après, plus on va tirer dans une batterie, encore une fois, et plus elle va se fuser rapidement. Donc l'avantage de cette batterie aussi, c'est qu'on peut l'installer à l'intérieur sans générer de gaz hydrogène ni de corrosion terminale. Donc la tension de sortie est ce qu'on appelle plate pendant la majeure partie du cycle de décharge, ce qui augmente l'efficacité en fait de votre système. Elle peut être chargée jusqu'à 5 fois plus vite qu'une batterie au plomb. Elle va tenir la charge jusqu'à 1 an sans la recharger, sans avoir besoin d'un chargeur d'entretien. Voilà, idéal pour la stocker sans vous en occuper. Si par exemple c'est pour un endroit off-grid, c'est un endroit vraiment en zone non alimentée en électricité, vous voulez l'éteindre, il n'y aura pas de problème, vous n'allez pas perdre la charge interne. Alors aujourd'hui, je présente vraiment ce monstre de chez Orient Power, hein, et encore merci Orient Power pour m'avoir envoyé cette bête, comme je le dis, digne de Retour vers le futur. Regardez-moi ces connectiques, encore une fois, moi ça me fait halluciner. Je suis vraiment surpris de la robustesse du produit. Ce qui va être véritablement inclus, en fait, quand vous allez acheter cette batterie, ça va être, que vous allez pouvoir retrouver en lien dans la description, ça va être donc la batterie elle-même, un câble Internet qui va se connecter vraiment à l'arrière,
hein, au niveau des connectiques, un jeu de boulons d'expansion, et puis vous allez aussi avoir des capuchons d'isolation de borne, manuel d'utilisation bien sûr en français, et une assistance client à vie. Et ça, c'est vraiment le petit plus chez Roland Power, ça va être une assistance à vie. Là, on rentre dans une, j'ai envie de dire, prestation de qualité au niveau installation chez soi pour faire du solaire de qualité, vraiment. C'est que ce qu'il va vous falloir, ce qu'il faut bien savoir avec cette batterie, c'est que, parce qu'il y a beaucoup qui, en fait, ont pu se tromper en achetant ces batteries, c'est que vous n'avez pas de MPPT, ce n'est pas un hybride, ce n'est pas un inverteur. C'est une batterie 48 volts de qualité. Bien évidemment, les cellules sont Lifepo 4 avec une qualité phénoménale des produits. L'équilibrage de ces cellules sont juste énormes. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais ce n'est pas un hybride, ce n'est pas un inverteur. Donc, il va vous falloir un inverteur, un hybride. Et je recommande d'ailleurs de prendre la même marque, Roland Power. Après, bon, vous pouvez mettre n'importe quel hybride 48 volts ou n'importe quel convertisseur 48 volts, n'importe quel matos 48 volts, ça va s'adapter parfaitement. Mais enfin, c'est pas plus mal de continuer à rester dans j'ai envie de dire, la même technologie. Mais là, on est dans une batterie 48 volts. On n'est pas dans un hybride. Il va vous falloir donc un hybride avec des panneaux solaires, tout le système. L'hybride va vous faire donc rôle de MPPT, de convertisseur. Donc, il va vous faire qui est du 220 via le 48. Alors, un petit cours assez simple, hein, on va mâcher un peu le truc. Pourquoi utiliser une tension plus élevée? Pourquoi du 48 plutôt qu'utiliser du 12 ou du 24, par exemple? Donc, en fait, avoir une tension plus élevée, ça permet de diminuer la taille des câbles et ça réduit énormément l'échauffement. Cela permet aussi de réduire beaucoup de poids et au niveau des coûts de conception, de production, mais aussi, on va perdre énormément moins d'énergie. Et on va pouvoir surtout pour moi, proposer énormément plus de puissance. C'est-à-dire que si on tape dans des 8000 watts, bien évidemment que ça va être du 48 volts qu'il va vous falloir. Et même le 24, ça va pas être le mieux pour une installation à tirer de grosses demandes. C'est-à-dire que si on veut vraiment alimenter un domicile avec tout ce qui tire dans une maison, par exemple une maison moyenne, ça consomme environ 25 kWh d'énergie par jour. En moyenne, voilà, une petite maison peut utiliser 10 kWh, mais bon, une très grande maison, c'est 40 kWh. Donc, ça donne un petit peu l'idée de ce qu'il faut en puissance. Donc, c'est pour ça que ces batteries Orion Power, comme toutes les batteries 48 volts, toutes les batteries, vont se mettre en parallèle de manière, pas en série, hein, sinon on cumule et là, on fait n'importe quoi. Donc, on va mettre ces batteries en parallèle de manière à cumuler l'énergie. C'est-à-dire on passe de 200 ampères-heure à 200, à 300, ainsi de suite. Voilà, et on se fait son rack de puissance de stockage d'énergie. De ce fait, elle se connecte très facilement. Et ce qui me fait halluciner chez ce modèle, ça va être la fixation. Je vais vous montrer la fixation. Vous allez voir, c'est énormissime. Donc, pour info, ce que vous avez comme batterie dans les avions, hein, dans les avions de ligne, c'est du 48 volts. Énormément de voitures aussi hybrides ou électriques utilisent le 48 volts aujourd'hui. Voilà, ce que je voulais vous montrer, c'était vraiment sa fixation. Donc là, on a le câble qui est livré, qu'on a vu tout à l'heure, notice. Et regardez l'épaisseur de cette et le poids. Il faut vraiment que je force pour la soulever. C'est vraiment du matos épais, solide. Ça vient s'enclencher ici, en fait. Les crochets viennent prendre en fait la batterie qui va la tenir muralement. Oups, c'est avec une main. Voilà. Là on a vraiment du matos costaud. Quoi. Tu vois, ici ça vient se mettre avec la batterie et la batterie va pouvoir être soutenue voilà, muralement. Donc ça c'est du très 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 beau matériel quoi. Il n'y a rien à dire là-dessus. On a nos M8 qui sont là hein, pour aller sur les connecteurs et les petits capuchons pour, voilà, pour isoler puis aussi des goujons pour fixer dans le mur adapté au système. À l'arrière on retrouve la prise de fixation. Encore une fois, tu as vu, c'est balèze, c'est solide, c'est énormissime, c'est épais, c'est tout ce que tu veux. Voilà, c'est ici que vient s'enclencher ce que je vous ai montré.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Honnêtement, vous pouvez aller voir ça en description. C'est vraiment énormissime. Encore une fois, je m'appelle Paul de la chaîne Neverland. Je vous assure, j'ai testé énormément de batterie, j'ai testé énormément de matériel. Mais là, je tombe sur vraiment, vraiment quelque chose d'épais, de solide, qui me plaît énormément. Prochaine étape, je vais démonter notre Orient Power. Je vais regarder un petit peu la tête de ce matériel, voir un petit peu interne. À quoi ça correspond, ce qu'on va retrouver à l'intérieur, parce que je suis curieux de voir un petit peu la bébête à l'intérieur. Donc je vous dis, suivez les vidéos, ça va être quelque chose. Il va y avoir bien évidemment une suite avec tout ça, ça va être génialissime. Merci pour le petit pouce, abonnez-vous pour rester en contact, et puis on se retrouve très vite dans les vidéos. Ciao, ciao tout le monde.